Today, we are going to do something a little bit different. Let's have a little chat in French. Yes, all in French. Bonjour and welcome to French with me, Ingrid, a channel where I help you understand and improve your French in small and easy steps. Comme je parle anglais dans beaucoup de nos vidéos, pour vous permettre de comprendre les sujets que nous abordons, je vous propose de faire quelques vidéos uniquement en français. Ce style de vidéo est important car il vous expose à un français parlé comme en France, mais un peu plus lent. Il y a beaucoup de choses à apprendre à partir de ces petites discussions. Beaucoup de nouveaux vocabulaires, bien sûr, de la grammaire, et écouter et assimiler du français naturel, mais qui reste clair. Et bien sûr, vous sentir un peu plus proche de la culture française. Nous allons essayer plusieurs choses. J'aimerais commencer par des petites discussions simples, intéressantes, pas trop longues, et suivre cette première vidéo avec une autre où j'expliquerai un peu plus en profondeur le vocabulaire ou la grammaire que j'ai utilisé. Je pense que ça vaut le coup d'explorer et de voir comment ça marche et surtout si c'est intéressant pour vous. J'adorerais vos retours sur cette idée. Laissez-moi vos commentaires. Ils peuvent être en français ou en anglais, ou en français et en anglais, si vous voulez. J'espère vous offrir une plateforme avec du contenu varié. Certaines vidéos en français, pour vous exposer à notre belle langue, et d'autres où les explications seront en anglais, toujours avec beaucoup d'exemples de phrases contextuelles en français. En ce faisant, j'espère que vous trouverez, quel que soit votre niveau, des choses intéressantes pour vous. Et surtout, j'aimerais vos commentaires pour savoir ce qui marche bien pour vous, ce que vous aimeriez et ce que vous n'aimez pas. Alors, cette première petite discussion est une opportunité pour moi de me présenter. Je m'appelle Ingrid et malgré ce nom pas typiquement très français, je suis bel et bien française. Je suis née et grandi en France métropolitaine. Le terme que l'on utilise pour le territoire français d'Europe plutôt que les territoires d'outre-mer. J'ai passé plusieurs années à voyager par le biais de mes études pour commencer, des études en langues étrangères et en business. Ceci m'a amené à passer du temps aux États-Unis, en Allemagne, au Danemark et au Royaume-Uni qui a volé mon cœur et m'a apporté de nombreuses très belles années. Les voyages ont continué à alimenter mon amour pour les belles cultures de ce monde. La Suède, la Norvège, la Thaïlande, l'Afrique du Sud, la Turquie, tant de pays où j'ai rencontré énormément de personnes formidables. Formidable est un mot bien français. Il y en a tant d'autres à faire. Le Costa Rica, la Finlande, le Japon, le Bhoutan, la Grèce. Je n'aurai jamais assez d'une seule vie. L'acquisition de mon anglais s'est faite en premier lieu durant mon parcours scolaire. Et ça ne m'a pas mené bien loin. C'est ensuite pendant des séjours en immersion totale dans des pays anglophones que j'ai le plus appris. C'est une façon merveilleuse non seulement d'apprendre avec peu d'efforts, mais aussi d'apprendre les subtilités et les différences de culture de votre nouveau pays. Pour moi, ça reste la chose la plus intéressante quand il s'agit d'apprendre une nouvelle langue. Les chocs culturels, les différences culturelles, c'est un sujet qui me passionne vraiment.
Vous vous rendrez compte dans les vidéos où je parle anglais que malgré tant d'années passées en Grande-Bretagne, mon accent français reste plutôt prononcé. C'est quelque chose qui m'a souvent dérangée, mais que j'ai fini par accepter. Certains d'entre nous arriveront à des accents très légers ou inexistants, et d'autres, non. Ce n'est pas par manque d'effort. Nous apprenons tous, tout simplement, différemment. Nos différentes capacités pour apprendre est une chose qui reviendra souvent sur cette chaîne. En dernier lieu, j'aimerais finir en vous disant que l'appréhension d'une langue est un plaisir de longue haleine. Donnez-vous du temps, prenez plaisir à le faire et surtout, ne vous découragez pas. Il y aura de bons jours et de mauvaises périodes où vous aurez l'impression de ne plus faire de progrès, de ne plus avancer. C'est tout à fait normal. Comme le dit le proverbe chinois, un voyage de mille lieues commence par un seul pas. Alors n'hésitez jamais à faire un premier pas et un autre. J'espère de tout cœur que vous trouverez sur cette chaîne du contenu qui vous intéresse et qui vous aide à vous améliorer. J'ai très hâte d'apprendre à vous connaître au fur et à mesure que cette chaîne grandit. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner si vous le souhaitez. Je vous embrasse virtuellement bien fort.